Salut à tous, c'est Alizéa, on se retrouve pour la suite de Dragon Ball Fighter Z. On est à peu près à 15% de l'histoire, donc on a un petit peu avancé, c'est pas non plus oufissime. On est toujours sur le premier arc, apparemment il y en a 3. Donc on va continuer avec l'arc Super Guerrier, continuer et nous sommes au chapitre 6 si je dis pas de bêtises, exactement. Donc nous allons normalement en direction, voilà. J'oublie le nom. Ruban rouge, voilà. Waouh. C'était. Autant que ça vienne, c'était coincé. Donc on va s'occuper du ruban rouge. Et de ce C16. Ah, Gohan. Je le veux dans ma team. Là, un clone de Gohan. Allez, on va casser la gueule. Allez, viens là, petit Gohan. Allez, bim! Ah, il est esquivé, enfoiré. Mort toute pourrie. Ah, Frieza! Enfoiré! Putain! Ok, d'accord, toi tu veux que j'arrive comme ça, toi. Et celle pour finir. Bon, c'est pas très très compliqué hein, pour le moment. 5 Gohan Ultimate disponible. Je le mets directement dans ma team à la place de Krillin. Super fin.
Ce mec est un goinfre. Arrête de manger. Sinon, tu vas finir comme Bou. On a encore esquivé les explications. Allez, changement d'équipe. Direct. Allez hop. Voilà, allez, hop. C'est parti, c'est y part. On va casser des bouches. Les restes de Great Saiyaman. Pas vraiment là. Pas terrible. Serais curieux de savoir comment ça se passe avec d'autres personnages au niveau des discussions qu'il y a. Il y a quand même pas mal de personnages et on peut, je pense, avoir pas mal d'échanges plus ou moins marrants avec les personnages. Allez, ta garde, prends-la dans. Tiens, allez, hop, une petite boule. Végétar. On va essayer de finir avec Gohan en beauté.
Salut! J'adore ce finish. J'adore ce finish. C'est génial. Zenith de la victoire. Piccolo qui devance tous les autres pour le moment. On va faire ce combat-là et on va aller voir C16 après. Nappa, Trunks, c'est écrit là. Moi je réfléchis. Goku, Vegeta, Sangohan ou Trunks. Réussi à toucher. Ça se fait. Non? Allez. Allez. Il est génial, franchement c'est. Allez, Nappa. Ma Kenko Sabo. Mission accomplie. Didacticiel terminé, ça donne des petites pièces en plus. Et on va aller chercher le C16. Pourquoi nouvelle menace C21 apparaît? C'est quoi ça? C'est C16 qu'on va combattre. C21. C'est la fameuse grotte du docteur Gero. Ça y ressemble. Voilà. Ah, tu vas pas avoir trop le choix hein, de le combattre. Allez, baston. Niveau combien? Niveau 14.
Ouais, ça va piquer un petit peu, je pense. Ah! C'est pas ça que je veux. Oh la mort pourrie! Ah, il est mort comme une merde. Dommage pour toi. Je voulais voir un peu les attaques spé de Gohan et finalement j'ai pas eu le temps de. Ah ouais, fais-moi ton malin maintenant. Ah, tu souris, t'es content? C'est elle la méchante. Donc ce serait elle à la tête de l'armée du ruban rouge et qui voudrait... je sais pas faire quoi encore. C'est pas très très clair. Toi, il va t'arriver des soucis. Voilà, bou. C'est un cyborg. Ressemble à bou.
Avec le même. Il est mort? Il est pas mort? Il va être reconstruit. Je vais te manger, donc c'est qu'elle a le pouvoir debout. Non, c'est bou. Pour moi, c'est... Il y a les cellules de boue dans C21. Après, on verra par la suite. Mais pour moi, ouais. Qui parle. Seul? Voilà, on passe du côté seul, c'est ça, non? Bon, celle aussi a une âme liée. Je sais pas pourquoi.
que... Let's go. Niveau 10 versus niveau 10. Ça devrait le faire. Oh, le fameux Kamehameha. Là, c'est magnifique. Le fameux Kamehameha contre Gohan en Super Saiyan 2. Avec pleine puissance et tout. Oh, avec l'axe son attaque spé. Elle est flippante quand même. Moi je pense que s'il y a du boulot là-dedans pour manger tout ça. Et le mec il change de corps comme de chemise. Tu m'étonnes. Dès qu'il s'agit de bouffe, lui. C'est un cyborg. Ah,
C'est quoi ce dit proverbe de merde? Ce qui ne se montre pas maintenant se montrera plus tard. C'est nul. Ouais, Vegeta, Trunks. Il se fait tailler. Allez, on va récupérer Vegeta. Voilà. On est au chapitre 7. On va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour voir la suite de l'aventure. Moi, sur ce, je vous laisse là. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.